Dans cette nouvelle gamme de Lamplette 2016-2017, Osram lance cette année une nouvelle lampe assez surprenante. Comme on peut le voir ici, on a deux lampes d'apparence totalement identiques. Et pourtant, l'une est une halogène, 50 watts, 350 lumens, 2000 heures en durée de vie. Et l'autre est une lampe LED à 40 000 heures, 4,6 watts et avec un même flux lumineux. La première était produite sur nos lignes à Eichstätt en Allemagne. Et elle est interdite au 1er septembre prochain, en 2016, 1er septembre 2016. Et la seconde est une lampe LED produite également sur les mêmes chaînes de production que sa grande sœur halogène. On revient finalement à ce que l'on connaît et ce que l'on a vu dans les lampes classiques, où l'on avait les lampes LED filaments qui reprenaient le design et l'esthétique des lampes incandescentes que l'on a tous en tête. Et on revient à ce même design historique avec les lampes à réflecteurs comme la Parsès que l'on voit ici. Alors pourquoi est-ce qu'on les fabrique en Allemagne? Il y a une raison assez simple à cela. On cherche cette année à avoir comme mot d'ordre la proximité, et notamment pour fluidifier les approvisionnements et limiter les risques de rupture sur les lampes. Un autre facteur important concernant ces lampes, c'est que l'halogène à réflecteur et en 230 volts sera interdite de mise sur le marché au 1er septembre 2016. Et on développe cette année, avec la gamme 2016-2017, toute une version de lampe LED tout en glace permettant de remplacer ces lampes halogènes de la PAR 20 à la PAR 38 en passant par la R50 ou la R80.